والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله. أوكي سوري جوكوتي أواي نيجي توري تاني إتوري إمام وانور الدين نايب ألا إلا توري لاجي جوكو Ola wi pe oje Olorun bi sipo agba o si je odo tin ba ni mo fe soro na ri ayi ti mo wa yi oro luru din obodo mi part 1 part 2 part 3 ama gege bi eleko ati ilmu ilhan lórí ìjòkó tá a wà yìí ọ̀rọ̀ ni kò ní ju méjì mẹ́ta lọ. Àkọ́kọ́ nínú èèyàn àti ọlọ́run ta ni alágbára? Kí lẹ rí? Èmi lágbára lè rí ni ọlọ́run lálágbára. Ọ̀dà látara bẹ́ẹ̀ lọ́nà kejì mo wá pe gbogbo ẹbí elémo dúdú àti pupa mo wá pe gbogbo òru pátá àtọkùnrin àtobìnrin àtàgé ẹ̀sákété àtosóbẹ̀ àtolóògbòbẹ̀ àtàlágbára bẹ̀ àti gbogbo ẹ̀yìn ẹ̀mí ìrìbẹ́nkẹ́lú ìlú. Agbára tí ń yó tó tọ́lọ́hún bí. Kámọ́gbàgbé o, ń pè mọ́ tàǹfààn ní àwáàbò kí ìmẹ́ta ọ̀hún tó wa. Wà láhùn tàṣà fi di mí ní ọ̀hún ilé mọ́. Wà láhùn kíkímá. Wà láhùn tàṣà fi di mí ní ọ̀hún ilé mọ́. Wà láhùn kíkímá. Mo ní ẹgbẹ̀rún ọdún bàbá yẹn 90 ans ló ní bàbá yẹn 103 ans 110 ans ló ní pẹ̀lú gbogbo bó ṣe kọ́ ọdún lórí ààrin kankan ṣàpèjúwe nínú tó ṣe ààrin kan júwe fún ààrin kan sanwó ṣe lé ìlú ṣe lé ní wọn ní bàbá fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí díìnì ó ní pati 1 ó ní pati 2 ó padà ní pati 3 táwọn ká sèpòkè ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ táwọn ẹ̀sìn amákínwá ń ṣe wá akínwá ń ṣe wá a ti gbàgbéra a fi jẹ́yìn a fi gbàgbéra ta ló pa lóru dì ta ló lù ẹ̀ ọ yà olú ẹ̀ kọ́tẹ̀ náà ká wò ta ló lù ẹ̀ kí ló wá dé tá a fara balẹ̀ àsìkò tó yẹ kí ló wọ òkútọ ẹgbẹ ìsàkéde bá lóògùn tí ń báyìí lọwọ lóòótọ àsìkò lóòrùn lọ ẹgbẹ òkú sẹyìn olóòrùn sọlọrọ náà wà mí ṣe bá wà yìí náà èmi pẹlú ẹ òògùn náà ẹ sáré ọjà sọjẹ sọjẹ téèyàn wá sọ aláìwọ tiẹ tó lọ bá àwọn olóòrùn lọ sáré sí aláwo tí ẹ tó lọ bẹ́ẹ̀ nìkan lọ́sàn án gbèsè oògùn tẹ ṣàtẹ ọ̀tẹ kí alábàálẹ̀ oògùn náà ẹ ṣàkọ̀ tẹ abdajis aṣọ àhárà owó ìṣọ̀ gbàgbélò ẹ láìláha ìlàlá muhammad rasulillah sallallahu alayhi wa sallam oògùn pọlọpanúrù o ẹni kan kọlọpàá o ọlọ́run rẹ wá kó wá jẹ iṣẹ́ kó wá ṣiṣẹ́ tó yẹ lórílẹ̀ ó sì jẹ iṣẹ́ náà pé ọjọ́ pé ọjọ́ pé ẹlòmíì tó lọ́dún jù lọ gẹ́gẹ́ bíi hárahárà orí kẹ̀kẹ́ ṣe àárín kẹ̀kẹ́ fi ṣàpèjúwe láyé kí ló wá dé ká padà sọ́dọ̀ ọlọ́run ká padà sọ́dọ̀ ọlọ́run kì í ṣe yàn kì í ṣe yàn kì í ṣe yàn lọ́pàá
Amen.
Ofi baba wa aladi agba. Baba wa aladi agba. Mo ba fe soro mari afagba, afagba, afagba. Bismillah kulu Allah. Bismillah rahman rahim. Allahu a, Allahu su. Ameli bora biro. Ni aye loni ati gbo iya laye awasi yi ta ba wa jo ba wa so ra ta ro so ni ti won so ro to mi si bo loju won ni pa la bi wa loji la ilaha illallah al khayr ya buka samanan zamanan ba da fa Yeah.
amuti parafu. Eh, tu vas avoir la Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Excellence, Monsieur le ministre de l'enseignement maternel et primaire. Monsieur le vice-premier ministre. Aucale Bobo Diamant. Maintenant, à mon conseiller Meta Dinobo. Il est d'arrivé de bas, il s'en quitte de l'or. Est-ce que je suis là? Baba. Je suis là. Ya. Suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. On court du. On court à la faire à coup. Alors, il faut dire la parole à l'homme central. Madame Toki, Bobo à moi, Robito, Yann Josile, Imam, à moi, Alpha de l'Église ici. Là, tu t'inquiètes un peu, Bobo par en disant, pour qu'il vous montre un coup à du. Mais vous qui est en Malaisie, il y a beaucoup. Ici, il y a un chrétien. Ici, il y a un billet, c'est bien. Pourquoi en Malaisie, c'est pas la bataille de sacrifié Dieu. Vous qui est en Malaisie, on court aujourd'hui. On pourra faire la cour. Vous qui est en Malaisie, il y a un sacrifié. L'être est logo. Mais on court aujourd'hui, on court à la fin. On court aujourd'hui. Imam, vous avez voulu la loi. Moi, je suis fou, je suis venu le camp. Et n'est-ce pas, moi, je suis venu le camp. On s'y sait, guidi pour le conseil communal. Aussi pour moi, ils ont gardé. Aussi pour moi, ils ont gardé. Il dit, ici, on met le baril fort. Ici, on met le baril, mais il m'a créé tout. Maman, elle va venir. Maman, elle est déjà. On doit chiter pour aller si beaucoup, aller si moins beaucoup. À quoi est pas ta vie, mais mon dieu de lui. On doit à coco. Et toi, donc, les petits, ils ont banni chez eux. Si on veut à quoi, Boulon, on a mon dieu de ce qu'on a. C'est bien que moi. Et banni chez vous, ma femme est riche. Le monde où il met le beau bec, le bail, ça qui est un peu de bec, le 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 bec, imam, policier, le bec, le Et d'abord, et j'ai fait une onda. Et j'ai fait une onda. Les nuits couillées, nous prenons l'œil. Nous les calculons. Injéri, chéri, tu as un secou. Et bébé, oui, nous allons y aller. A j'ai j'ai libéré, si vous avez ré. Je vais dire que j'ai libéré, quand j'ai libéré. Et bébé, oui, nous allons y aller. Là, nous Et d'abord, la bête au bon temps, il faut aussi. En bon, il y a un mal. Il y a un mal. Notre papa, l'ancien vice-premier ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le professeur François Debray Abdoula. Mais qui sera pas attaqué? Qui sera pas attaqué? Il y a un sobili, un tout peu fou. Et il y a un beau fou, un sobote, il y a une petite bête, il y a un peu de sang.
Vous pouvez bien ça. Alors, là, c'est une grande lumière. Je vais peut-être parler en français parce qu'il a déjà tout dit. Hein. En ago, en attendant que le ministre allemand puisse clôturer ses hommages des autorités politico-administratives, comme on le dit dans notre pays. Mes chers amis, je ne sais pas par où il faut commencer. Rien qu'au rendre hommage à l'imam. Parce que si j'ai dit que je n'étais pas au courant, quand on le déplaçait de Sakété pour tenter de sauver la vie, sa vie, j'aurais menti. Et de là où il était, nous étions permanemment en contact jusqu'à 3 jours avant le jour fatidique. L'imam, le maire a dit, celui qui m'a précédé dit Lorin, lui aussi il a dit, regardez là, 52 ans. 52 ans. Lorsque les philosophes parlent de sagesse, ils ne parlent pas de l'âge. Lorsqu'on parle de sagesse, ils ne parlent pas de l'âge. Quelqu'un l'a dit aussi, mais je ne le dirai pas à sa manière, que tu peux avoir 90 ans et qu'on ne va rien voir de tout ce que tu as fait. On verra, parce qu'il a au moins des enfants, il a des parents. Et l'imam m'avait dit un jour à Itagebou, peut-être que c'est de ça qu'il parle, il m'avait dit, à Biola ou du coup, là, il est, je regarde, mais ceux qui m'ont accompagné, qu'est-ce qu'il raconte? Ah, il est même là. À Biola, Itagebou. Il dit, mais il raconte quoi? Et c'est là qu'il a développé, il a détaillé en disant, quand tu vis, si tu fais du bien, au l'écou. Si tu fais du mal, au l'écou. Donc, au l'écou, là. Mais l'imam, là, il dit, on dit qu'il est parti vraiment sur la pointe des pieds. 52 ans. 52 ans, bien rempli, plein de sagesse. Nous l'avons côtoyé. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure, par où on va commencer? Vous vous rappelez les enfants qui sont là lorsque j'ai décidé d'aider à ma manière la communauté musulmane de Sakété? J'ai vu que c'était un homme toité. Regardez le jour où on a voulu distribuer les motos. Quelle sagesse! Regardez tout ce que nous avons réussi à faire à Idi. Mais c'est lui-même qui m'a appelé il n'y a pas longtemps. Pour dire qu'il y a des délinquants qui sont partis casser ce que nous avons fait à Idi. Et lorsqu'il a employé ce mot de délinquant, je sais que je lui disais que de toutes les façons, le bon Dieu va faire en sorte pour que ces gens ramènent ce qu'ils ont volé. Ils ramèneront ça d'une façon ou d'une autre. Regardez aussi son idée. Lorsqu'il est venu me voir pour dire qu'est-ce qu'on peut faire pour la grande mosquée, on a essayé. On a essayé. Et je dis que pour la grande mosquée, nous devons nous réunir encore les imams, les alphas, vous devez exorciser ce qu'il y a. Je l'avais dit lorsqu'on faisait cet appel de fond-là, qu'il y a quelque chose qui fait qu'on n'arrive pas à terminer les idées qu'on a pour cette mosquée-là. Exorciser cela par tout ce que vous pouvez faire comme prière, pour qu'on puisse voir plus clair dans le développement, dans l'art de cette mosquée-là. Donc, notre imam a été très sage. Et tu ne vas même pas remarquer. Je ne peux même pas dire combien de fois il est venu me voir personnellement à Cotonou, alors que je n'étais même plus au gouvernement. Quelle sagesse! Donc, ce que moi je vais souhaiter, c'est que de vos reins, parce que ça sortira de vos reins. Comparaison n'est pas raison, je vais parler dans ces comparaisons. Comparaison n'est pas raison, on aura l'occasion d'en parler un jour. Je souhaite que nous désignions, je ne vais pas dire vous, puisque lorsque vous allez les désigner, ce serait l'imam de tous. Je souhaiterais que vous respectez ce qu'il faut respecter. Si vous respectez ce qu'il faut respecter, on n'aura aucun malentendu, puisque ce sera notre imam de tous.
Mais ma prière, c'est que celui qui sera désigné soit encore plus sage que l'imam Naïbi. Merci beaucoup et que la terre soit légère. Merci.